Page 55 du cahier d'exercice. Alors, attention, ce n'est pas évident à comprendre. On vous dit dans le premier exercice, compte et écris les mots. Alors, compte ici, ça veut dire que c'est la quantité, le nombre. Combien est-ce qu'on a de souris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il faut écrire 10. Avec le X. La lettre X qui chante dans 10. Pareil ici, il faut compter la quantité, le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut écrire 6. Pareil, la lettre X qui chante. Par contre, ici, si on vous montre la flèche, ça veut dire que c'est la position exacte. Ce n'est pas la quantité globale, le tout. C'est un seul escargot, celui-là. Dans quelle position est-il? Premier, deuxième, troisième. Donc celui-ci, sous la flèche noire, c'est le deuxième. Donc il faut écrire deuxième. Et le z de deuxième, c'est encore la lettre X qui chante cette fois-ci z dans deuxième. Ensuite ici, vous avez la grand-mère, la mamie, qui souffle ses bougies, et regardez quel âge elle a. 66 ans. Donc, vous pouvez écrire, c'est l'anniversaire de mamie. Elle a 66 ans. Ici, c'est un petit peu, le mot à utiliser, c'est un petit peu le même mot que celui-ci. Là, l'escargot, vous avez écrit deuxième. Vous pouvez aussi écrire second. Le deuxième, c'est le second. Donc là, c'est pareil. Ludo et Léo mangent à la cantine. Léo est premier. Ludo est second. Ou Ludo est deuxième. Voilà, c'est le mot deuxième ou second, comme ici, comme pour l'escargot, qui est en deuxième, en seconde position. Voilà le mot qu'il faut utiliser. Et là, c'est pareil. Regardez, Nina avance son pion. Elle a un pion entre les doigts, dans la main. Vous avez vu le pion? Donc elle part ici du début et elle arrive sur la sixième case, parce qu'elle a fait un 6 sur le dé. Donc, on peut écrire Nina pose son pion sur la sixième case. Ensuite, dans l'exercice numéro 3, le dernier exercice recompose les familles. C'est au niveau du sens. Il y a deux familles parce que il y a des mots qui appartiennent à un thème, une thématique, et d'autres mots, quatre autres mots qui appartiennent à un autre thème. Donc vous avez deux thèmes. Le thème de l'avion et le thème de l'Indien ou des Indiens. Okay? Donc un Indien, vous le mettez ici à droite parce que ça correspond au thème des Indiens. Un pilote, c'est l'avion. Ici. Le vol, c'est plutôt le vol de l'avion. Donc ici. Un arc, ça sert à l'Indien. Un avion, pareil, ici pour l'avion. Une flèche, ici pour l'Indien. Un tipi, c'est la tente de l'Indien. Et une hôtesse de l'air, c'est celle qui travaille dans l'avion. Donc toujours colonne de gauche sur le thème de l'avion. Colonne de droite sur le thème de l'Indien. Donc pour recomposer les familles au niveau du sens, au niveau de ce que veulent dire les mots et à quelle famille de sens ces mots appartiennent. Il y a seulement deux familles, parce qu'il y a deux colonnes. La colonne de droite sur l'avion et la colonne de gauche sur l'avion et la colonne de droite sur l'Indien.